On est à la troisième ligne, ou deux points. Donc nous avons vu hier que la mincha, après la kibitza, il faut la mettre sur le feu. Nous avons déjà dit hier qu'un korban, il y a marqué al-kol korban echat amelach. Évidemment que tous les evarim qui étaient amenés sur le misbéar devaient être accompagnés de sel. La différence entre une mincha et un korban bal-chai, un animal, c'est que chez un animal, s'il a oublié de mettre le sel, il sera loqué, mais le korban est kasher, alors que dans une mincha, il sera aussi loqué, mais le korban n'est pas sûr. Karev akomet shiran et khalim. Donc si on a brûlé le komet, donc cette poignée de farine et d'huile, on la met sur le feu, alors à ce moment-là, les shiraim, c'est-à-dire ce qui reste de la mincha, peuvent être mangés. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Dirti viktira kohen et askarata. Donc la ktara, urtiv, et immédiatement il y a marqué la noteret min hamincha l'aaron ulvanav, et il y a marqué immédiatement que le noteret, c'est-à-dire ce qui reste, c'est pour aaron ulvanav. Donc là on voit que c'est mangé après la ktara et c'est mangé seulement par la kohanim. Karev akometz les marques des tliens, les marques des tliens. Maintenant ça veut dire quoi karev akometz? Il faut qu'il soit complètement consumé, il faut qu'il ait noirci. C'est-à-dire quoi? Alors il faut que ça brûle. À quel degré? À partir de quand j'ai le droit de manger les shiraim? Nafkamina, imaginez, il y a un coup de vent qui a soufflé et la kmitza, cette poignée de farine, c'est parti. Donc elle n'a pas vraiment été consumée au maximum, mais un minimum. Alors, Marloket, Ditmar, Akomet, Mematay Matir Shiraim, Beachila. Le komet, à partir de quand? Quel degré? Hein, Yaakov? À partir de quel degré les shiraim sont mutarim Beachila? Rabbi Hanina Amar, Mishitishlot Boaro. Du moment où le feu a pris. Cette poignée, alors Bémet, même si ça c'est pas complètement brûlé, et comme c'est plein d'huile, imaginez-vous que ça prend vite. Rabbi Yochanan Amar, Mishitatsit Aour Berubo, lui dit il faut que le rov est brûlé, donc Machloket, à partir de quand j'aurai le droit de manger les shiraim. Vesharim verashain akohanim liten letocha yain veshemen vache, on avait dit que les kohanim ont le droit de manger à leur guise. Cette mincha, ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec. Ils veulent manger avec du shemen, ils mangent avec du shemen. Il y a marqué les tochas dans la dirsa, tu verras. D'accord. Ah ouais. Ici, il y a marqué les tochas. Octavian. C'est une mincha. C'est une mincha, on dit les tochas, c'est pas grave. Maïtama, Amar Kra, les Moshra, les Gdoula. Il y a marqué que les Kohanim devaient manger comme des Bnei Melachim, qui est derrière chez Melachim, comme les princes. Les Melachim, ils ne mangent pas de la farine. C'est pas fade. Il faut l'accommoder avec quelque chose parce que c'est trop fade. Eux, pareil, si vous les mettez sur le. C'est une sorte de bégel, de mincha, puisqu'elle était cuite des fois dans l'eau, après dans le four. Bref, c'est un peu spécial. C'est entre la crêpe, le beignet, le bégel et le pancake. Donc, après, si vous voulez mettre après dessus du miel ou la manger salée, ils font ce qu'ils voulaient. Ven Asurin Elam il est Hametz. Le Issour, c'est seulement, pas sur la Akhila, mais juste de le laisser être Mahmid, Zirtiv, l'Ote Afir Hametz Khelkab. Même le chélek des Kohanim, c'est-à-dire ce qu'ils vont manger, flotter à faire chametz, on n'a pas le droit de le laisser être marmitz. Kol haménachot. Toutes les ménachot, là on attaque les ménachot plus en détail. Toutes les ménachot, on a dit hier, elles viennent à base de farine. Et ce n'est pas seulement de la farine, ce qu'on appelle la fleur de farine, c'est-à-dire de la farine très très purifiée. Elles venaient avec du shemen et elles venaient avec de la levona. Cette minchala de la sota, elle vient ni de farine, ni avec du shemen, ni avec de la levona. Comme ça, brut. C'est horrible. Ouais. De kol haminachot teunot shemen levona, la Gemara dit kol haminachot, elles sont teunot shemen levona, sauf minchat sota. La Gemara dit pareil. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas de shemen levona, laquelle, à part sota. Vaïka minchat roté. Minchat roté, c'est quelqu'un qui a fait une faute, Béchogek, sur lequel on est chayav khatat. Il doit amener un korban. Non, normalement, un khatat, ce n'est pas une mincha. Il n'a pas. Hein? Il est pauvre. Alors, la mincha, ce qu'on appelle minchat olé veyored, qui s'accommode et qui s'adapte à ton niveau social et financier, ce n'est pas dans toutes les khataot. Il y a quelqu'un qui est mechal le Shabbat, il est chayav khatat. Mais non, quelqu'un qui a été nishba shuachav, shuata edut, ou qui est rentré tamé au Beit HaMikdash, ou qui a mangé un korban quand il est tamé, c'est ces trois-là. Ou s'il est riche, il va amener une BMA. S'il est moyen, il amènera un off. Et s'il est pauvre, il amènera une mincha. Ça s'appelle mincha trottée. Donc cette mincha trottée, elle n'est pas accompagnée non plus
de Shemen et Levona. Derachmana, Marlo Yassim Aliyah Shemen, de l'Oitan Aliyah Levona. Alors pourquoi tu me dis, toi, dans la Mishnah, que toutes les Menachot, elles sont accompagnées de Shemen et Levona, sauf la Minchat Sota? C'est pas vrai, la Minchat Roté aussi qu'il n'y a pas. On avait dit, en fait, il y a trois critères dans les Minachot. Il y a soit du blé, soit de l'huile et du levona, soit qu'elle soit bien tamisée. Dans la Minchat Sota, il n'y a aucun des trois tnaïm, il n'y a rien. Et c'est ça qu'elle va nous dire, Emma. Achikama. Kol haminachot teunot shemen et levona, ubot minachitin, ubot solet. Parce que sur le chapeau, tu amènes la même chose. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que la Minchat Choté n'est pas accompagnée de Shemen et Bona. Néanmoins, c'est du solet. C'est tamisé. Elle est tamisée. Minchat Choté, Avalpi Shenate ou Shemen et Bona. Bah, Minachitin. Bah, solet. Minchat Aomer, même si elle ne vient pas solet, mais elle vient tamisée. Avalpi Sheiba Minasiorim, Touna Shemen et Bona. Bah, Gérez. Donc, on voit qu'à chaque fois, sur les trois, il y a toujours deux Tnaïm. Soit il y a Shemen et Bona. Des fois, il y a trois. Shemen et Bona, solet et tamisé. Mais au minimum, il y a deux tnaïm. Le minimum. C'est-à-dire que par exemple, Minchat Roté, j'en ai enlevé un, j'ai enlevé le Shemen Levona, mais il y a encore Solet et Tamizé. Il y a Minchat Taomer, c'est Seorim, Tamizé, et donc, et il y a Shemen Levona. Donc à chaque fois, on a deux tnaïm. Zo, là par contre, la Minchat Sota, Enatuna, le Shemen Levona. Ouba minasurin, ouba kema. On n'a aucun des trois tnaïm, donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est la seule. Kol haminachot, elles viennent avec au moins deux tnaïm sur les trois, et celle-là a zéro. Tanya Amar Rabbi Shimon, bedin ou shete minchat roté teuna shemen lona. Behemet mikar adin, la minchat roté, un gars fait une avera, on devrait le charger au maximum. Shemen, shemen, levona, tu payes l'aziz. Dis-moi, tu as fait une avéra chez Loïc Roteniska? Ah non, seulement il a fait une avéra, en plus il gagne du fric. Pas beau? Pnema et Nateona, chez Loïc, Corbano Meouda. On lui a dit, n'amène pas chez Menelbona pour pas que ton corban soit Meouda comme les autres corbanotes. Et donc là, la Choliot, que l'intention, la Kavana, c'est que finalement, il aurait préféré payer. Oui, la Choliot, plutôt que d'être comment dire, rabaissé ouais, et oui. D'amener une mincha sans rien. Il y aurait, à ce moment-là, il y aurait... lui, il va avoir la honte, c'est tout ce que tu amènes. Mais non, il n'amène pas une mincha meudere. Ubedin ou chete khatat relev teuna nesachim. Khatat relev, ça, c'est le khatat keves, c'est une kifsa, c'est un agneau. Donc là, c'est le khatat, par exemple, celui qui est Mechael Shabbat, on l'appelle khatat relev parce que la parachat khatat, elle est marquée juste à côté de la parachat de celui qui a mangé du relev. Alors le relev, c'est une des graisses dans l'animal qui est interdite. Et donc, celui qui a mangé du relev, il khayab. Karet. C'est pas parce qu'on met le chélève sur le misbère. Non. Khatat chélève, ça s'appelle chélève parce que le chélève, celui qui mange du chélève, il est khayab karet, bemizid, beshogeg, il khayab khatat. Juste après la paracha de chélève, c'est la paracha de khatat. C'est pour ça qu'on l'appelle toujours khatat chélève. Donc celui qui amène un khatat chélève, il amène une BMA, mais à part ça, il faut qu'il amène ce qu'on appelle les nesachim. Mincha, du vin et la levona. Et le shemen, exactement. Donc la Gemara dit khatat chélève, teuna nesachim. Chez lui, il y a Khotoniskar. Normalement, un khatat relev, celui qui est khayab khatat, BMA, il devrait amener aussi Nesachim. Chez lui, il y a Khotoniskar, on devrait le faire payer. On met Pnema et Natéona, chez lui, Corbano, Meoudar, la même chose. Même principe. On lui dit, pour pas que ton Corban soit Meoudar. Aval, khatato shal metzora, vea shamo. Arrête le metzora, à la fin de sa tsarat, il doit amener un khatat. Et un sham, lui, il amènera avec les Nesachim. Théonine Nesachim, et fichen, bain al khet. Ça ne vient pas sur un chet. Aussi. Attends, non. Tu vas poser la question à l'agma. Mais l'agma te dit que le metzora, étant donné qu'il amène son korban, qui ne vient pas sur un chet, il n'a pas été mechalel Shabbat, il est metzora, il a la tsarat, il a des boutons. Donc lui, Bémet, son korban est accompagné de Nesachim parce qu'on veut que son korban soit Mehouda. L'agma la demande. Ta question ? Il a fauté. Et ni, Vahamar Rabbi Shmuel Bar Nachman, Yamar Rabbi Yonatan, Al Shiva Dvarim Negaïn Bain. Sept avérotes. Quelles sont les avérotes ? La Shonara, c'est la première. Tout le monde la connaît, exactement. Gava. Shfichut Damim, Shuachav, Gilou Yarayot, Gassout Arouach, Gezel, Tsarout Aïn. C'est le péché capitaux, quoi. Ah, non, c'est particulier. Il y en a pas mal, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il vient. Le néga, il vient sur ça, pas le corban. Hazak, donc en deux mots, la Gemara te dit comment tu peux me dire que la Tsarat, elle vient pas à l'chet? Il y a sept avérotes sur lesquelles la Tsarat, elle vient. Pourquoi tu me dis que ça ne vient pas à l'chet? Pas le corban. Pourquoi pas le corban? Et pourquoi il y avait un corban? Oui, parce qu'il était Metzora. Parce qu'il a voté.
Oui, mais c'est pas un combat de crotté. Chazak bo khatam min negaya ou dechaper les. Les negaïm ont été mechaper sa avera. La boucha qu'il a eu, le tsar qu'il a eu dans ses negaïm. Il m'a été korban, je t'avoue, mais kochimou n'est qu'un maïté. Quand il y a le korban, c'est juste pour pouvoir être réhabilité à manger kochimou. Arrête les mechoussars, ce qu'on appelle mechoussars kapara. C'est-à-dire que non seulement il est tamé parce qu'il est metzora, mais même quand il n'est plus metzora et qu'il redevient tahor, ben il a encore mechoussars kapara tant qu'il n'a pas amené son korban. Au même titre que la yoledet, le zab, la zava. Et la meata, khatat nazir. Et le nazir alors, revenons à nazir. T'es un anisachim, les fushena, bah al-khet, le khatat nazir. Le nazir à la fin de sa. Quand il a fait une nésiroute impeccable, hein, il a fait un sans faute, il n'a pas été tamé. À la fin de sa nésiroute, tu dois amener, entre autres, un khatat nazir. Il dit, hola, shlamim, khatat. Pourquoi il amène un khatat? Celui-là, de khatat, il devrait avoir nesachim. Pourquoi? Parce que le bal khet. Alors ici, déjà, le metzora, le bal khet, le khatat nazir aussi. Là, je veux pas nazir aussi, il a été choté. Ça va, que Rabbi Elazar Kapar, d'amar, nazir n'a mis choté. Il pense comme Rabbi Elazar Kapar. Oui, le nazir, il est choté, et donc c'est pour ça. Non, mais c'est pas une kapara. Je dirais, c'est pas une kapara. Étant donné qu'il a été choté, donc le khatat qui vient à la fin de sa nézirut vient sur son khet de nézirut chez Izir Atzmominayayin. Donc c'est pour ça qu'il a que son khatat ne sera pas accompagné de Nesachim. C'est pas le même tournoi que Metzora que le tahrir de nézirut. On ne dit pas la même chose. Il n'est pas mitvaché. Il n'est pas mitvaché comme un sarou. Il a les cheveux longs, il ne voit pas. Et d'après Rabbanan, que l'onikra khoté, c'est seulement quand il est Nazir Tamé qu'il est crachoté d'après Rabbanan. Mais s'il est Nazir Tahor, ah non, c'est sûr que non, c'est marqué dans la Torah. Comment il va expliquer? Le Rabbanan a sauvé M. Nazir et Nochoté, à Taam, Chen Korban Nazir Tahor, Nesachim, et Chouché, Av Korbano, Chidouchou, Chicha Torah. Ah putain, mon Nazir, il amène un Khatat. Alors vous vous en rappelez, au début de ma Sechet Nazir, on avait vu que Chassidim, Arishonim, il devenait des Nazirim. Pour quelle raison? Pour pouvoir avoir la possibilité d'amener un Khatat. Alors qui amène un Khatat? Lui qui a fait une faute. Maintenant, eux, c'est des Chassidim. Ils font pas de faute. Comme ils ne font pas de faute, ils ne pourront jamais amener un khatat dans leur vie. Le seul moyen pour eux d'amener un khatat, c'est de devenir un nazir. Donc, étant donné que la Torah était méchadéchette, qu'un nazir, il amène un khatat, elle le chabou la chidoucho, tu amènes le khatat et tu n'amènes pas. Qu'est-ce que ça leur fait d'amener un khatat? Khoté, il y a une différence entre un khet et amener un khatat, c'est pas pareil. Le khatat, il est amené seulement sur une avira sur laquelle il y a karet. Il y a mangé du khamet, ça fait ça. Après le Shabbat. Ça, c'est. Quelle intérêt ils ont? Il y a peut-être que la Torah coule. C'est mitzvah. Tu n'auras pas de problème. Ah, ça, c'est ce qu'on a vu hier. Le Roche, il dit qu'un homme doit se mettre en position d'être mekayem les mitzvot, même si là où il est pas tout. On l'a vu ça de Moshe Rabbeinu. Hein? Ouais, on a dit ça. Le Roche. Le Roche. Rabbeinu Asher, il a été médaillé avec Segmara que Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Israël pour être mekayem les mitzvot. Rabban Gamliel Omer, on continue. Rabban Gamliel dit que Shem Sheastama Sebema, son korban c'est Mahal Bema. Tanya, Marlène Rabban Gamliel et Chachamim Sofrim, il a dit au Chachamim Sofrim, Anichouli, laissez-moi, Vedar Shena Kemin Chomer. Et je vais vous prouver, je vais adorer ça à Kemin Chomer. Rachid dit, c'est quoi Kemin Chomer? Comme des petits boutons qu'on accroche, des boutons en or. Kemin Chomer, il y en a qui disent que c'est des margaliotes. En deux mots, je vais vous faire une dracha, vous allez kiffer. Les Chamel et Rabbi Meir, des Kamar, Rabban Gamliel a entendu ce qu'a dit Rabbi Meir. Pourquoi elle amène une minchat à base de séorim? Parce qu'elle a fait manger des bons plats et donc elle est punie, elle amène Mahal Bema. Ouais, elle y a fait elle y a donné à manger à son amant. Et donc, okay. Donc il a entendu ça, Rabban Gamliel. Les Chamel et Rabbi Meir, des Kamar, Ichilato Mahadane Olam, elle y a donné des bons plats. C'est la raison pour laquelle son korban c'est machal bema, c'est des seorim. Sur ça, Rabban Gamliel, il vient, il dit Koucha, Amarle Atina, Hashira, Aniyamai Kalimimar. Elle est très belle ta dracha, Rabbi Meir, mais ça marche quand elle a de l'argent. Si elle n'a pas d'argent, comment tu peux expliquer qu'elle amène Milchat Seorim? Elle n'avait pas l'argent aussi pour lui apporter à lui. Elle lui a rien donné. Elle a donné, je t'ai dit, une pita avec du khoumous, elle n'avait pas d'argent. La soupe, elle lui a donné. Et là, c'est pour ça que Rabban Gamliel, il doresh acheret. C'est pas à cause de ce qu'elle a donné à manger. Le maasé, c'est le même si elle est riche ou elle est pauvre. Le maasé, c'était maasé bema, son korban, c'est machal bema. Donc, c'est quoi à Nihouli? Laissez-moi. Non, t'as rien dit. Pourquoi tu dis laissez-moi? Laissez-moi. Ça m'a empêché. On peut pas contredire. C'est à Nihouli. C'est que, bien que sur Rabbi Meir, il y a une koucha, sur moi aussi, une koucha. C'est quoi la koucha? C'est que, arrête, finalement, la sota qui a fauté comme la sota qui n'a pas fauté amène le korban. De Seorim, les deux amènent le même korban qui est à base de Mahal Bema, mais non, sur celle qui a fait la Avera,
Nicha, mais sur celle qui n'a rien fait et que Bémet, elle va sortir saine et sauve du Beth Amikdash. Comment tu peux dire qu'elle a amené un Mahal Bema? Elle n'a pas fait le Mahal Bema. Elle a été soupçonnée de Mahal Bema. Je suis d'accord, mais elle n'a pas fait le Mahal Bema. Elle a fait une bêtise. C'est pour ça que Bémet, ce n'est pas glat. Même après Rabat Galé, ce n'est pas glat, mais c'est pour ça qu'il dit Anichouli. C'est quand même mieux que Rabbi Meir parce que moi, je n'ai pas la même. Finalement, le Maasé, c'est Maasé Bema, et donc le Mahal, c'est Mahal Bema. Et donc, il n'y a pas de Kusha, Ashira ou Ania. À la Mishnah. Allez, on y va, la Mishnah. Azak. Dérôle, mais... Il est chaud. Ayam et Vive Pile Shel Kheres. Là, on progresse. Vous allez voir tout le film de la Sota. Ayam et Vive Pile Shel Kheres. On a amené un kos en argile. Benoten et Tocha Khatsi Log Maïm. On mettait à l'intérieur la moitié d'un log d'eau. Minakior. D'après Tanakama, donc on met Khatsi Log. Rabido Omer Revi'it. On met un Revi'it. Un quart de log. Okay. Donc la moitié du Khatsi Log. Pourquoi d'après Tanakama, on met Khatsi Log? Là, qui explique, étant donné que la Shtia de la Sota était Bodeket et elle et l'amant, Keshem chez Bodkinota, Kach Bodkimoto, alors il faut deux révites. Keshem chez Memaed Biktav, Kach Memaed Bemaim. Rabuda qui dit lui, c'est seulement un révite parce qu'il était Memaed Biktav. C'est-à-dire que dans la paracha de la Sota, il écrivait le strict minimum. Alors dans l'eau aussi, le strict minimum. Nichnas lechal ou panalimino. Il rentre le Kohen avec ce verre et il y a de l'eau, il y a seulement de l'eau, et il rentre dans l'Oechal. Et immédiatement, il tourne à droite. Il y avait une margelle, Amalama, une margelle que tu avec un anneau. Donc il y avait une margelle en marbre et comme, une balata, comment on dit ? Une planche ? Non, 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 pas une planche. Non, comme une plaque en marbre, comme une. Voilà, non, c'est-à-dire il, comme il y a le sol, même le sol. Ah, même le sol. Ah oui, oui. Comment on dit une balata, Ribono Shel Olam ? Comment on dit un carrelage, exactement. Comme une plaque de carrelage. Donc on ne l'aurait pas reconnu si ce n'est qu'il y avait là-bas un anneau. Betavla, Shel Shaïch, Betabat, Aïtak, Wouaba. Donc il y avait une tabat. Kesheu, Magbia, Benotel, Afar, Mitartea. Donc il soulevait cette tabla, ce carrelage-là, cette plaque de marbre. Et dessous, il y avait de la terre. Il prenait une poignée de terre, Venoten qui était chez Iraé à la Maïm, il mettait de la terre dans l'eau, mais assez de terre pour qu'on voie qu'il y a de la terre. Comme la boue. Chez Nehemar, Mina Afar, Asheriye, Bakarka, Amishkan, Ikacha Kohen, Venatan, El Amaïm. Donc il prenait la terre, il mettait à l'intérieur de l'eau, et c'est cette eau que là, dans cette... après on verra comment on mettait la paracha, et elle buvait tout ça. Tana, l'échelle Kheres, Khadasha, livré Rabbi Shmuel. D'après Rabbi Shmuel, donc ça veut dire que d'après Rachid et Marc Logan entre Tanakama et Rabbi Shmuel, le verre devait être neuf. C'était du Khat Pehami. Il est Kheres. Pardon ? Kheres neuf. Ouais. Khat Pehami, c'est-à-dire qu'il est utilisé qu'une seule fois. Une seule fois. Pile, c'est un verre. Pardon ? Pile, c'est un verre. Non, pile, c'est un verre. Pile, c'est le Kheres. Un cos. J'ai tout payé les frais de toute cette opération. Ça, c'est de l'argent. C'est le BDK Bait. Il a raison. On avait vu la caisse commune de la Maseret Shkalim que tous les ans, chaque Ben Israël doit donner Machatzit HaShekel pour payer les Korbanot, Korban Sibour. Et tout ce qui restait de la caisse des Korbanot était réinvesti dans BDK Bait. À part ça, il y avait les dons des Juifs. Chacun, il voulait donner au BDK Bait. Quand tu disais, par exemple, quand il dit je magdish ma table, qu'est-ce qu'il va faire le BDK Bait avec ta table ? Rien du tout. Tu la vends et l'argent, il va dans la caisse du BDK Bait. Il y avait de l'argent peut-être. Ouais, il y avait de l'argent. À part ça, cet argent était aussi utilisé pour faire les travaux, pour la rénovation, les routes, etc. Il y avait de l'oseille. Donc, d'après Rabbi Ishmael, à chaque fois, on amenait un verre tout neuf. Maïtama de Rabbi Ishmael. Gamar, pourquoi je vous ai dit que c'était seulement d'après Rashi Sopchad ? Parce que d'après le Rambam, même Tanakama est d'accord que c'était un verre neuf à chaque fois. C'est-à-dire que d'après le Rambam, il n'y a pas de marque. Des coups l'Alma, c'est un verre neuf. C'est un verre neuf ou pas ? Il y a marqué qu'il faut. Quand viendra le Beth Amikdash, il y aura un verre neuf ou pas ? Pourquoi un verre neuf ? Ah, Maïtama. C'est ça que tu demandais ? C'est exactement. L'Af Kamina, c'est pas. Non, t'as dit l'Af Kamina. L'Af Kamina. C'est la raison, la raison. L'Af Kamina, c'est est-ce qu'il faut un verre neuf ou pas ? Pourquoi ? Ah, ça s'appelle pourquoi, pas Naf Kamina. Maïtama, des Rabbi Shmuel. Pourquoi d'après Rabbi Shmuel, qu'on a vers neuf ? Gamar, Klikli, Metzora. Dans le Metzora, c'est mes fourrages qu'il faut un verre neuf. Et donc, si dans le Metzora, dans la Tara du Metzora, il faut un verre neuf, dans la Sota aussi, il faut un verre neuf, vous allez à Shabbat. Pourquoi ? Malala, Ancheres, Khadasha. Afka, Ancheres, Khadasha. Dans le Metzora, il est marqué Kli. Et dans la Sota, il est marqué Kli. Kli, Kheres. Les deux, c'est Khadash à chaque fois. Maintenant, dans le Metzora, d'où est-ce qu'on fait c'est Vehataminalam dirtim, vechachat et tatsipo achat, el keli cheres al maim chaim.
quoi El Kelicheres? C'est quoi El Kelicheres? Oui, dans le Kelicheres. Rachid explique, regardez Rachid. C'est quoi ce El Kelicheres? Regarde, on finit la Gemara. El Kelicheres, El Maïm Chaim, Ma Maïm Chaim, Shelo Nesta Baen, Melacha, Av Kli, Shelo Nesta Bo, Melacha. C'est comme le Maïm Chaim. Exactement, Michila, c'est après qu'on va dire autre chose. C'est après qu'on va dire Bakli. C'est, donc la Gemara, au départ, elle dit, d'où est-ce que je sais que le Kli, il faut qu'il soit neuf? Parce qu'il y a marqué Al Maïm Chaim. Maïm Chaim, c'est de l'eau qui vient de la source. Donc c'est de l'eau toute neuve. De la manière que l'eau, il faut qu'elle soit neuve, le Kli. Elle est, c'est pas qu'il faut qu'elle, soit de source, et donc elle est neuve. Donc le Kli aussi, il faut qu'il soit neuf. Af, Af Kli Cheres, Af Kan Maïm Chaim. Michila. Af Kli, Shelo Nestabo Melacha, il ne faut pas qu'il ait été. Il est déjà servi, donc il n'est fait aucune milacha, pardon. Non, c'est bon, j'ai la réponse. Voilà. Im ala ala maïm chaim, afkan maïm chaim. La Gemara a dit, mais attends, si dans la, le Metzora, il faut maïm chaim, alors la Sota aussi, il faut maïm chaim. Alors qu'on a dit que c'est de l'eau du kior. Le Rabbi Shmuel, achin amid amar Rabbi Yochanan, me kior, Rabbi Shmuel omer, me maïan en. Le kior, c'était une source. Alors, dans le Beit Hamikdash, il y avait l'endroit où se lavaient les kohanim, les pieds et les mains, ça s'appelle le kior. Il y a Shlomo Melech, il avait construit des petits robinets, mais sous ce kior-là, il y avait une source, et de cette source-là jaillissait cette eau. Alors, comment c'était la tara du Metzora? Il prenait un verre donc, en argile, qui était neuf, et dedans, il y avait Maïm Chaim. On faisait la shrita d'un tzipor au-dessus de cette eau, et le sang tombait à l'intérieur. Il y avait deux oiseaux, un qui était mort, ça y est, on a fait la shrita, et on prenait ensuite un oiseau tout neuf, un oiseau vivant, avec Ezov, Shinetot et Erez. On trempait tout ça dans le sang et l'eau, et on aspergeait le Metzora. Et c'était ça, ça t'a. C'est bien dégueulasse. Et ensuite, ils s'envolaient. Après, ils partaient. Chachamim omrim. Chachamim, ils disent Mishar Memot En. Chachamim pense que Kior, c'était de l'eau. C'était de l'eau de pluie. Et donc, ce n'était pas de l'eau de Mayan. Pardon ? Ils demandent pourquoi on est vivant. Oui. Ils ne pas l'oiseau, ils sont volés. Non, mais c'est vrai, tu veux lâcher. J'ai deux minutes d'apnée, après c'est parti. Ikal et Mifra, la Gemara dit ici, il y a une picha sur ton limoud. Pourquoi? Malé Metzora, chacun taoun etz erez vezov jnitolat. Arrête, le Metzora, peut-être que lui, il a besoin d'un kli khadash, parce qu'il y a besoin aussi de etz erez vezov, lisop jnitolat. C'était un morceau de tissu qui était teint avec du sang de Tolaïm. Et donc, peut-être que le Metzora qui a besoin de tout ça, alors il faut aussi un verre propre, un verre neuf. Alors que la Sota, non. Amaraba, Amakra, Bakli Cheres. Le fait qu'il est marqué dans la Sota, Bakli Cheres, c'est quoi? Et tu mettras dans le Kli Cheres. De quel Kli Bakli, c'est nominatif, sous-entendu. Kli Shamarti Lechakba. Le fameux Kli dont on parle dans la Metzora, c'est le même. Donc, il faut qu'il soit aussi Khadash. C'est sur ça que Rashi nous dit, Bakli Cheres, regardez Rashi. Achim Hashmal et les rabbins, mais dès l'octime la car Kli Cheres Venatan Bomaim. Il n'y a pas marqué dans la Torah, il prendra un Kli, il mettra de l'eau dedans. Il n'y a pas marqué ça, il est marqué, et tu prendras le Kli. Quel Kli on parle? Kti ou Kti ba Kli Cheres, Mashma Shekva Ruskar Kli Zimamakom Acher. Mashma que ce Kli a déjà été appelé, il a déjà été nommé dans un autre endroit, c'est quand? C'est dans le Metzora. On continue. Bien fait. Amarava, lo chanou, donc le pshat d'après Rashi, c'est quoi lo chanou? Même ce que Rabbanan permette, un kli vieux, un kli usagé, d'après Rashi, c'est une marque loquette. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était d'Ad Rabbi Shmuel qu'il faut un kli khadash. Mais d'après Rabbanan, même un kli qui a déjà servi à une sota précédente, on peut le réutiliser. Ok? D'accord, mais Rambam, il y aura un problème. Ok, d'accord, on verra ça le Rambam après. En tout cas, d'après Rashi, le Rashi dit lo chanou que Rabbanan il pense qu'il faut un kli. L'Ochadash, et là, chez l'Onitach Moubanab, il n'a pas noirci du Rav Ishtam Shoot qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il est, il a déjà servi, mais là, il est propre. Ah bah, l'Onitach Moubanab, souligne. Mais si, il est vieux, ouais. Il est noir, il est noirci, il n'est pas soul, Maïtama, Doumia des Maïm, il faut qu'il ressemble à l'eau. Ma Maïm, chez l'Onishtanou, Avkli, chez l'Onishtanou. De la même manière que l'eau, il faut qu'elle soit limpide, elle n'est pas changée d'aspect, le verre aussi. D'après le Rambam, le Pshat, il dit que même d'après Rabbi Shmuel, il faut un kli neuf, il faut que ce kli soit neuf et qu'il soit propre. Ouais, si par exemple, il est neuf, il n'a jamais servi, mais ça fait 10 ans qu'il est sur l'étagère, je te garantis qu'il est plus propre. Ouais, ou qu'il est mal. Voilà. Donc le fait qu'il n'ait jamais servi ne sous-entend pas obligatoirement qu'il soit propre. Ben Rava, Rava demande, il a servi,
100 fois, il est noir. Ensuite, on lui fait un lifting, on le fait repasser au four et il redevient propre. Est-ce que une fois qu'il a été nitra, on peut plus s'en servir, ou bien non, il peut être réhabilité dans le mou. Miaouinan qui va dire trou et trou. Est-ce qu'on va dire une fois qu'il a été nitra, nitra? Odilma qui va ado ado. Bien non. Maintenant qu'il a été, il est revenu, il est propre, il est propre. On prend un verre, c'est pas grave. Hein? Prends un autre verre. T'as pas l'air. Mais il faut la housse elle m'a mené. On avait vu ça. Tashma, Rabbi Elazar Omer, et Erez Vezov, Shnitol Hachi, Fshil Ba'en Kupato Leachorav, Tsulin. Donc il a pris les et Erez Vezhnitol Hat, qui servait aussi à faire la Haza avec la Paradouma. Il a pris tout ça et il s'en est servi comme une anse. Donc il avait un sac, il a voulu se faire un petit bâton avec tout ça pour mettre le sac, pour tenir sa, son sac. C'est servi de ça en fait. Il s'en est servi exactement. Hein. Pour son propre usage. Il a été possède, c'est ses branches. Qu'il faut qu'il soit... Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça ne marche pas. Ve'atam, adré ou pacheté, malgré le fait que dès que je les détache, bah, ça va redevenir des branches normales. C'est-à-dire, je ne les ai pas abîmées. Makara. Donc, tu vois bien qu'une fois que ça a été nitra, parce que je m'en suis servi pour mon usage personnel, ça ne peut plus revenir ensuite dans la cache-route. Elle me répond, Atam dit cloufi cloufé. Non, là-bas, quand tu t'en es servi, tu les as râpées. Et donc, comme elles ont été râpées, elles ont été niclaf, elles ont perdu un petit peu de leur bois. C'est pour ça que ça c'est. Alors, peut-être que le verre, c'est bon. Et peut-être que le verre, ça sera bon, il n'y a pas de réponse. Nichnas laichal ou panalimino. Donc, il rentre le Kohen avec ce verre et il tourne à droite. Et là-bas, il y avait le carreau dans lequel il devait soulever. Maïtam, Adam, Armar, Kolpinot, Chataponé, Loyou et là, derrière Yamin. Pourquoi ils ont fait ce truc-là, Badarka, à droite? Parce que le Kohen devait toujours tourner à droite. Quand il montait sur Misver, c'était toujours à droite. D'ailleurs, c'est pour ça que tu fais une bracha, tu prends la main droite. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu fais toujours avec le pied droit. Ouais. Si vous couchez, les gauchers, ça écrit. Non, pas les gauchers. Non, les gauchers, c'est leur main, c'est non, leur main droite. Mais comment ça se fait qu'ils sont devenus gauchers? Alors, il faut toujours commencer par la main droite. Apparemment, c'est une bêtise à la gauche. Être gaucher, c'est de l'essence. Makom, Ayasham, Ama. Donc là-bas, il y avait une dalle qui faisait Ama Lama, une dalle de marbre, Tanoura Banane. Il y a marqué, alors dans la Mishnah, il y a marqué qu'il fallait soulever cette dalle et prendre la terre qui est dessous. Et imaginons, je soulève la dalle, il n'y a pas de terre. Ils ont fait, il y a du béton. Ah, là là, ils ont coulé la dalle de béton. Je fais comment maintenant? D'ailleurs. Où d'ailleurs? À côté. À côté, mais tu crois que toutes les dalles, on peut les soulever? C'est scellé. Casse le béton. Tout est scellé. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'il faut casser ou pas? Ou bien je peux amener de la terre? Amenez de la terre, sortez, amenez-moi de la terre. Mais non, il faut du misbéa. Alors, je peux les mettre, regardez. Il y a marqué dans le pasouk, apparemment. Apparemment, le pasouk, il est satoum. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, Oumin Afar Acherié. Et de la terre qu'il sera là-bas. Acherié. Pas marqué là-bas. Ouais, non, Acherié, ça veut dire que je peux l'amener. Yachol Itaken Mibachout, Viachnis. Est-ce que je peux prendre un sac de terre et le rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash? Tamodomar Bakarka Mishkan. Non, voilà. Qu'il soit sous le Mishkan. Ah, donc par Mishkan. Il me carca Mishkan. Yachol Yarpor Bekardmot. Est-ce que je vais prendre la hache et je vais commencer à creuser? Tam Loma Acharié. Non. Aketsad. Yesham. Ave. Encham. Tencham. S'il y a de la terre, tant mieux. S'il n'y a pas de terre. Alors, je cherche une maison là-bas. Alors, tu vas chercher la terre dehors. Tu la poses sur le sol du Beth Amikdash et ça s'appelle Hacher Karka Mishkan. Donc tu casses pas le bracelet en deux mots. Tu mets pas, il n'y a pas, tu mets pas. Ok, tu casses pas. Non. Il ne savait pas s'il y avait de la terre là-bas. Pardon? Avant qu'il aime la pierre, il ne sait pas s'il y a de la terre. Elle a séché. C'est dur comme la pierre. Comment on fait? Alors amène-en et vas-y. Ça devait être une fosse. J'ai pas besoin d'aller prendre la pelle et commencer à creuser. S'il y a de la terre, ce qu'on appelle Afar Tichouar, la terre meuble. Je mets la main, je peux en prendre, mais s'il n'y en a pas, je mets la main, il n'y a pas. Il n'y a pas de terre. Emmène-y. Ça porte un loup. Tania Aïdar, il y a une braïta qui dit un peu différemment. D'après lui, d'après ce Tana-là, Bémet, je faisais rentrer la terre de l'extérieur. Elle était importée, la terre. Ah, mais il y a marqué Ubekarka Mishkan. D'un autre côté, il y a marqué Bekarka Mishkan. Bon. Comment tu peux me dire que tu vas amener de l'extérieur, il faut que ce soit Bekarka Mishkan? Ici, Ben Yehuda Omer, Léavi, Karka, Shiloh, Nov, Vegivon, Betolami. Bekarka Mishkan vient, c'est Meyuda, pour nous dire que ce n'est pas seulement au Mishkan qu'on était Noël Glasota, mais même à Nov,
à Givon ou Bet Olamim, c'est-à-dire au Bet Amigdash. C'est-à-dire que j'aurais pu croire que c'est seulement au Mishkan où il faut prendre la terre du Mishkan. Mais il faut mettre la terre tout simplement. Mais il y a Chol Yod qu'au Bet Amigdash, on n'est plus au Mishkan. Peut-être que là, il n'y a plus besoin de terre. Il y a marqué Bekarka Mishkan. Au Bet Amigdash, il y avait des dalles, il y avait du map en terre. Ouais. Plus, c'est plus Karka Mishkan ici. C'est vachement malade que là aussi, il faut de la terre. Mais néanmoins, je peux l'amener de l'extérieur. Ça, c'est d'après ici Ben Yehuda. Alors, si on a une grande marque entre Rachid et Tosfot, est-ce qu'on est Gores, Shiloh, Nov et Givon ou pas? D'après Rachid, on n'est pas Gores. Shiloh, ben, c'est le Mishkan. Donc, c'est mes forages dans la Torah. C'est marqué Bekarka Mishkan, on est au Mishkan. Chazak ou Baro. Ça, c'est première question de Rachid. Donc, Shiloh, il enlève. Tosfot, il répond, c'est pas vrai. Shiloh, il était fait en dur alors que le Mishkan, c'était une tente. Nov et Givon, Rachid dit, c'était pas un Mishkan, c'était une Beter Abamot. Il n'y avait pas là-bas le Aaron Kodesh. S'il n'y a pas le Aaron Kodesh, ça n'a pas la valeur du Mishkan ou du Bet Amigdash. Donc d'après Rachid, il n'y avait pas de Sota qui était amené à Nov et à Givon, là où était le Mishkan après Shiloh, avant d'être amené à Yerushalayim. D'après Tosfot, il pense que oui, on amenait même les Korban Tzibour sur cette Bama. Et donc, on pouvait même amener la Sota à Nov et à Givon. Et Ben Olamim, là, tous les coups allemands, on est quoi ça. Ici, Ben Menachem, Omer, et notre Tzarir. D'après ici, Ben Menachem, il dit, tu n'as pas besoin d'être d'un ribouille pour dire que même au Bet Amigdash, on amène la Sota. Évidemment qu'on amène la Sota. Ouma, Ben Toumakala, si déjà dans Toumakala, c'est-à-dire rentrer, quand un homme il rentre au Bet Amigdash, Tamé, l'Ochila Kakatou, Ben Toumat, on n'a pas fait différence entre le Mishkan et le Bet Amigdash. C'est-à-dire que on n'avait pas le droit d'entrer au Mishkan Tamé, on n'a pas le droit d'entrer au Bet Amigdash Tamé. C'est la même chose, on n'a pas fait trilouk entre les deux. Betumat, Echetish, Chamoura, Ari Echetish, c'est plus Chamoura, pourquoi? Mitat Beddin. Ari Toumakala, c'est Karet, Mitat Beddin Shemaïl. Mais Toumat, Echetish, si une Echetish a fait, là c'est Mitat Beddin. Le Kolcheken qu'on amènera la Sota. Donc sur ça, tu n'as pas besoin de dire, j'aurais pu croire que c'est seulement au Mishkan on amène la Sota, mais pas au Bet Amigdash. Évidemment qu'au Bet Amigdash on amène la Sota. Alors c'est quoi Bekarka Mishkan? Shiloh Yavim Mitor Kupato. C'est pour te dire que il ne faut pas amener avec ta Kupa. Si tu amènes de l'extérieur, il faudra le poser sur le Karka Mishkan, comme on a vu tout à l'heure, mais pas d'amener Stam de la terre de l'extérieur et ensuite de le mettre dans l'eau sans le poser par terre. Donc d'après ici Ben Nachem, il faut le poser par terre, et d'après ici Ben Yehuda, pas besoin de poser par terre. De manœuvre, c'est bon.